pas. Faut cliquer sur on. Je peux me permettre quelque chose? Oui. Je te trouve hyper irresponsable. Tu montres les mauvais exemples à la communauté. Allô guys, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Au galop guys. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un shopping, un petit psy. C'est quoi les termes pour dire... Compète. T'es complètement... Non mais... Rabat. Rabat. Aujourd'hui, je vais acheter des basiques. Dis, tu te trouves dans un méga centre commercial et tu vas faire du shopping complètement rabat. Je me trouve dans un méga centre commercial et je vais faire du shopping... Oh non, c'est... Non, pas complètement rabat. Oh non. Et regardez ça, guys. J'ai trop envie d'aller là-dedans. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air génial. On dirait que c'est très relaxant. C'est génial, c'est de la simulation. C'est vrai? Oui, va faire. Ça te donne... Yo, mais tout le monde a mis sa tête dedans. Ouais. Tant pis. Attends, faut que je clique quelque part ici, je crois. Clique quelque part, s'il te plaît. Ça sent l'oignon un peu là-dedans. Hein. Ah, faut payer, Romane. Oh non! C'est combien? 10 dollars. Ah, je n'ai pas les moyens. Tu veux que je paye? Ah non, je n'ai pas les moyens. Mais moi, j'ai. Ah, oui. Et c'est quoi exactement que je vais voir? C'est une attraction. Ça va être génial, Romane. Ça va être génial. Tu sais qu'au-dessus, je vois ce que tu fais. Ok. Ah oui, je vais mettre ma ceinture, hein, j'ai peur, moi. Je vomis en général. Donc... Tu sais que ça va bouger ton siège et tout, hein. Oh non, je vais vomir. Oui, oui. Vous avez un bac à vomir? Est-ce que j'ai des joysticks? À l'aventure. Merci. Oh, fuck. Oh, waouh. Mais ça a l'air génial. Oh la vache. Non mais là, ça va sortir. De quoi t'as cru? Ça va sortir. Qu'est-ce qui va sortir? Bon, comment je ferai jamais ça de ma vie? Normal. Ça va? Tu dois mettre les deux. Ça me va bien quoi? Non. Ok. Oh, ça c'est cute. Ah non, c'est pas cute. T'as fait ton sapin? Non. Sapin. J'ai toujours pas fait mon sapin, guys. T'as une morve ici. Tu m'étonnes que t'as pas fait ton sapin, toi, normalement. Ouais, t'es en avance. Je sais, mais j'ai envie de profiter à fond de la période de Noël. J'ai pas envie de me lasser. Du coup, je voudrais le faire au dernier moment pour vraiment profiter à fond de Noël. Bah, c'est pas logique. Si, parce que je veux pas trop m'habituer au sapin. Je veux pas m'habituer à la présence du sapin. Mais il faut que tu fasses attention parce que tu pourrais acheter un truc de luxe sans faire exprès, là, vu que t'es pas très lucide. Oh, il est beau ce canapé. Filme-moi dans le canapé, Sol. Ouais, Romane, c'est bien. Allez, on se casse. Moi, à la base, je cherche des moutes-moutes pour les oreilles. Tu sais où je peux trouver ça? Moutes-moutes store. Moutes-moutes shop. Ouais. Tu veux des chaussures? Il y en a plein là-bas. Yeah, les chaussures, c'est tellement c'est genre un magasin de chaussures. Il n'y a rien de plus narcissique que d'avoir une caméra et de la braquer c'est sur soi. C'est terriblement mais narcissique. Mais c'est quoi ça? Changeons de métier. Mais ça fait aucun sens. Est-ce que quand tu fais mal à quelqu'un par accident, tu te fais après le mal pour voir à quel point ça fait mal? Absolument pas ça. Putain, mais c'est parce que je suis trop empathique, toi t'es aucunement empathique. Moi je continue ma route de manière très sereine. Ah ouais? Ça me complexe, j'ai l'impression que je suis une mauvaise personne. Non, c'est moi qui suis une trop bonne personne. Ça doit être ça. Moi vraiment pas, je me dis comme... Franchement, c'était pas moi. C'est horrible. T'as toujours du maïs à ce niveau, je comprends pas pourquoi. Mais tu peux pas filmer comme ça, genre, mon dieu, concentre toi. Oh, mais j'ai reçu ça gratuitement. C'est vrai que t'as reçu ça gratuitement. C'est vrai? T'es bien influenceuse. Non, non. Je suis influenceuse de métier. Ouais. Non mais c'est génial ça par contre, la neige. J'étais super contente qu'ils m'aient envoyé ces produits parce que j'ai découvert cette marque. Attends, mais t'as bien la chance, ils t'ont envoyé pour de vrai? Ouais, je suis trop contente. Je suis méga jalouse. Ah ouais? Ouais, ça fait plaisir. Ça coûte quand même 52$. C'est un peu cher. Tu te rends compte des prix, hein, tu vois? Tu sais, comme des fois les influenceurs sont déconnectés de la réalité. Mmh. Ils sont sympas ces faux ongles. Ouais, j'aime bien. Nice. Ça sent fiac, hein? C'est fiac. C'est Fiac Paris. Oui. Comment tu peux choisir un parfum quand on a senti 150 000? C'est pas possible. Demande où tu veux un parfum de riche. Un parfum peste. C'est vrai qu'un parfum de peste, un petit peu. Un parfum de meuf qui non mais les gens. Ça, c'est vraiment un parfum comme bad bitch. Une galette des rois. C'est actually une galette des rois. C'est une galette des rois totale. Elle vient me donner toutes ses affaires. Ça sent les aisselles de mon grand-père, son vin, quoi. Et lequel tu préfères? Il y a un truc de section d'assaut. What's it by night? Montre l'autre. Mais moi je préfère celui-là. Il est plus frais, il est plus respectable. Là t'as des valeurs et des principes, l'autre t'en as beaucoup moins. C'est son parfum, t'es méchante. C'est vrai. Il je viens de critiquer son parfum, je suis trop méchante. Il y a la vanille qui sort, Romane. Mais maintenant je vais pas avoir le choix de dire qu'il sent bon. Je me non, sens mais trop non, mal à mais l'aise. Non, mais non, mais non. C'est quoi ton genre de parfum? Non, mais elle moi c'est plus comme un peu un balai dans le cul.
Non, en fait, tu sais pourquoi depuis tout à l'heure ma vision elle est troublée? C'est à cause de son rap au ton qui pique. C'est bien, mais c'est parfait si c'est ça que tu veux. Alors, on va faire un tour, voir si j'y suis et on revient. Okay. Et on revient. Je vais essayer le Lip Injection Maximum Plum de Too Faced. C'est un gloss plumping. Oh. Ok. Je vais tester ce gloss repulpant de Too Faced. C'est normal qu'il fasse chaud. Est-ce que je vais vomir? Je sens ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. J'ai envie de le prendre. Je le prends ça ou pas? La fois t'es doublée, non? Ouais. Ouais? Ici? Ouais. Waouh! Ouais, là c'est... Ouh! Là vous avez mis du dentifrice sur ma bouche. Moi je serais plus sur une carrée en fait. Genre une comme ça. C'est tellement pas ton style, qu'est-ce que tu fais? Actually, je portais ça quand j'avais 17 ans. Je t'ai jamais vu avec ça, tu mens. Tu vois ce genre de casquette? C'est ça que je portais quand j'écoutais du hard metal et tout. Je te crois pas, je t'ai jamais vu avec ça. Je te jure, j'ai des photos, preuves à l'appui. Bah tu montres. Que je vais tu peut-être inclus... afficher. Tu inclus... peut-être pas. Si. C'est horrible, fais plus jamais ça. Un magasin où j'ai jamais été de ma vie. Footlocker. C'est vrai? Non, j'ai jamais été. Ça picote du pain dur hein, sur cette bouche. Ça, c'est tellement les téléphones quand j'étais plus jeune. Genre, ce bonhomme donne envie d'aller me coucher live. Il est très mignon, ça te va trop. Faut pas me dire ça, Soy. Hein. Si tu me fais un compliment et que je suis un peu tipsy, ça mange avec beaucoup trop, Soy. Mais il va super bien. Ah ouais? On va voir s'il me va bien en regardant le prix. Il est 30. Cher 30. Il me va pas si bien finalement. Je les aime. Oh my god. L'amour est réel. On va aller déposer les sacs dans la voiture parce que là c'est plus possible. Je suis trop jalouse. J'ai trop envie d'aller dans cette voiture. Attendez, je vais aller demander. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de monter dans la voiture? C'est notre rêve. C'est notre rêve. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les VIP. C'est pour les vieilles personnes. Les plus âgées. Je comprends, un jour peut-être qu'on touchera à cette opportunité. C'est fait recale. Jamais. Mais là, ils transportent personne, donc ça change quoi qu'ils nous transportent? Je comprends pas. Il faut être âgé, Soy. On se déguise en personnage, non, ça se fait pas. Non. On aurait pu leur montrer notre compte TikTok, mamie et Mich. Ils nous ont accepté. Vous voyez ce banc? J'ai travaillé dans cette. Oh mon dieu, non, je veux pas dire ça. Mais si, pourquoi? C'est trop des mauvais souvenirs. J'ai travaillé dans ce centre, dans un magasin de vêtements, sauf que j'avais mangé sur le banc parce que je mangeais des mi, tu sais, les. Je mangeais des nouilles chinoises, mais tu sais, genre. Instantané. Hein. Instantané. Les filles du magasin où je travaillais, elles disaient: oh, mais pourquoi tu manges toujours ça, genre? Tu manges toujours. Et du coup, j'avais un peu honte. Ah, parce que t'avais pas assez d'argent pour t'acheter à manger, du coup. Non. Et du coup, je mangeais sur mon banc. Mais elles étaient bonnes, mes nouilles, elles étaient super bonnes. Non, elles avaient une saveur. Du coup, tu te sentais mal que tu jugeais alors que tu mangeais sur le banc? Ah ouais, j'ai mangé sur le banc. Oh non, mais c'est trop triste. Je vais aller te faire caca. Allez. Tu veux des lunettes de vie? Non. Tu veux des bijoux, toi? Non. Oh, j'adore ces couleurs-là, c'est trop. Oula, c'est pas fameux ça. Tu sens pas toi? Arrête de dire ça, je le prends c'est super. C'est quoi mal. C'est du feutre? Ouais. J'en veux. C'est un lip tint. Non, t'as déjà du... lip tint. J'ai trouvé l'élu de mon cœur. C'est comme une couette. J'ai envie d'aller me coucher. Si je porte ça, je vais avoir envie de rester chez moi tout le temps. Déjà que c'est difficile d'aller sociabiliser, de sortir, de vivre dans le monde extérieur. C'est super beau. C'est vraiment beau. Ah ouais? Est-ce que j'ai du flow? Mais oui. C'est vraiment nice, ça donne comme le teddy bear effect. Je suis tellement influençable, mais t'as raison. Soy, elle sait pas c'est quel animal. C'est vrai qu'on sait pas trop, on dirait un peu un téton. C'est quoi? Son nez me gêne. Il est super embarrassant. Non mais son nez m'embarrasse. C'est un épouse. Je suis trop embarrassée. On dirait un singe. Arrête de le tripoter. Demande c'est quel animal ça. Je dis j'aimerais une précision sur l'animal. Elle va demander une précision sur la nature de l'animal. Ah ouais? Oh, c'est un hérisson? Bah ouais, apparemment. C'est pas un téton, du coup? Non. Les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Un porte-clés autruche. L'autruche, c'est mon spirit animal. Regarde le cou, il est trop... Je le prends 100%. Bah oui. Oh, ça va être génial de vivre avec cet objet. Est-ce qu'il y a des tailles? Parce que j'ai peut-être une taille d'autruche plus small. Oh, ça, c'est moche. Hein. Oh là là. Oh, ça, c'est laid. Oh là là, c'est pas beau, ça. Ouh, je vais aller prendre l'air. Oh! Ça, c'est très moche. Je vais juste vous montrer une partie parce que j'ai peur que ce soit censuré par YouTube. Oula, j'ai plus de batterie, moi, oulala. Eh ben, petite cocotte. J'ai perdu ma soeur, les gars. Oh, je discerne sa tresse. Elle est là. Excusez-moi. Oui. Je peux vous photographier? Non. Tout ce que je trouve me donne envie de dormir. J'ai envie de dormir sur ce sac. Entier. Ça donne envie de dormir dessus. Est-ce qu'on a quelque chose là, les gars? Est-ce que tu trouves ton bonheur, Soy? Bah, j'aimerais bien trouver le rayon des guêtres.
faire du sport en étant type psy, je vous conseille. Hein. Tu sens pas, pas le sport. Arrête, non, mais marcher. Ça, c'est vraiment les gens pas sportifs. Ils font trois tours dans un magasin. Franchement, marcher, c'est quand même du sport. Hi. Je suis dans le rayon des pyjamas, c'est pas bon pour moi, ça. Soy, attendez-moi. Soy. Elle est partie. Soy, si vous me laissez toute seule, je vais vomir. Soy. Soy. J'ai encore perdu ma soeur, les gars, c'est pas rigolo. Elle est en train de me semer la gourdasse. Soy. Oh, je suis fatiguée. Je commence à avoir un petit creux, Soy. On va manger un gâteau. Oh, je serai dans une galette des rois. Mood. Oh, chier. Oh, il y a un lit. Normal. Tu ne t'asseoiras pas sur le lit, Romain. J'ai très envie. Oh, j'ai besoin d'un café, Soy, hein, ça va pas. Vas-y, on fait ça. Soy, on va en club. Pas du tout, en fait. Ah, oh, on va en... Si, Soy. C'est le club que je vais aller, c'est un club sandwich. Soy, elle me sème tout le temps, cette fricassée. Elle fourrière, fourragère, elle foin. Mais on a déjà été ici, Soy. Mais pourquoi c'est toutes les mêmes chaussures partout? C'est toujours les mêmes chaussures. Je comprends pas, c'est tout. Tout se répète encore et encore. Un truc de massage. Oh, ça a l'air génial. C'est bien. Oh, je veux. Mais je sens pas. Mais t'as ton backpack. Ok, mais le monde veut que j'aille me coucher en fait. Je passe un moment formidable. C'est trop agréable. Il peut s'arrêter. Ah non, il repart. Je suis méga bien là. Je suis super bien. J'ai l'impression d'avoir fumé un énorme. J'ai plus vraiment de problème en ce moment. J'ai plus aucun souci. Il faut vraiment profiter de ce moment. Ouais. Sincèrement. Ouais, c'est vrai ce que tu dis là. C'est mieux qu'un boyfriend ça. Hein. Je veux essayer. C'est pour le mettre dans le cul à la base. Ok. Hein. Keep on falling in love. C'est un marteau piqueur. Je me fais vla marteau piqué. Attends, je vais te le faire. Non, mais j'ai déjà... non, tu vas me faire mal, Romain, non. Ah, ça va. C'est bien ou pas? Ouais, franchement, ouais. Attends, c'est comment sur le ventre? Oh, j'aime bien. Non, mais pas sur ta schneck. Non, je fais pas sur ma schneck. Mais sur sa schneck. Pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est hyper vulgaire ce que j'ai fait. C'est méga vulgaire, t'as mis sur sa schneck. Non, mais ça fait vraiment du bien au ventre. C'est super vulgaire. Tu dois sortir avec lui. Non, toi, tu dois sortir avec lui. Non, tu dois sortir avec lui. Ok, tu dois sortir avec lui. Et la magie opéra. Ta-da. Oh, de l'eau. Vous êtes là en bonne santé après ça. C'est pur. Par contre, la betterave, je comprends pas ce légume. Genre, méga bon la betterave. Ça a un goût de Jacqueline de la cantine. La betterave, c'est impossible. Là, tu manges pourtant. Je sens que c'est bon pour mon corps. Je veux plus mon biscuit, il me dégoûte. Oh bah dites pas ça, c'est quand même votre biscuit. Ouais, c'est clair. Ce serait trop vulgaire pour lui que vous le dégoûtiez. Oh là là là. Tu dois sortir avec lui. Tu dois sortir avec... Tu dois sortir avec lui. Mais il est déjà en couple. Ouais, bah tu dois briser son couple et être la pire personne. Bah non, tu dois sortir avec lui. Oh bah non, Soy. Ça commence à me saouler cette histoire. Oh, Pelé. Dans ce coussin-là, il y a des petits carrés de gélatine. Oh, les petits carrés, ça donne envie. Hein. Oh, wow. Oh, il est tout. Allez, on s'en va. C'est la chose la plus confortable. Ok, ma soeur est partie, j'ai l'air débile. Bon, la nuit est tombée, le shopping est terminé et je vais rentrer chez moi. Il est temps d'aller se reposer. Back at home, je vais vous montrer mes petites emplettes. Première chose que j'ai acheté, ce merveilleux porte-clés autruche. C'est vraiment mon objet préféré. J'ai trouvé à Bizou une boutique qui existe juste au Canada, je crois. Mais c'est génial, c'est votre rêve. Mais oui. Vous avez des clés? Non, j'ai pas de clés par contre. Oh, j'avoue, j'ai pas de clés. J'ai acheté ce lip gloss incroyable. C'est un lip gloss qui te grossit les lèvres en fait. Ouais. Oui, je vais essayer. Mais t'es ouf! On va essayer sur toi! Alors, du coup, ça va vraiment te brûler au début, ok? Tu vas peut-être faire une réaction allergique et tu vas peut-être finir à l'hôpital. Au début, ça va rien faire, tu vois. Attends. Avant. Ah, ça commence. Ça y est, ça commence à picoter. Putain, ça picore le pain dur là. Ah, ça va picorer sec. Putain, ça pique de ouf là. Ouais, ça pique. Mais j'ai envie d'enlever. Ah non, dans ça le pain! Ça donne envie d'enlever. C'est normal que dans mes oreilles, ça fasse. Non, pas vraiment, non. Ok, mais là, je sens, c'est sûr, mes lèvres vont être comme ça à la fin. Je vais ressembler à Jan. Putain, oh mais my j'ai. God. Ah, mais ça brûle là! Ça brûle sa mère! Hé, t'as actually les lèvres bleues là, vraiment! Oh my god, regarde! Oh. Mais on voit plus que ça! On voit plus que mes lèvres! Oh, y'a Sephora, ils ont été trop cute! Ils m'ont offert ça! C'est un petit kit avec deux masques et un shampoing sec. Amika, Sephora Beauty Insider, je connais pas. Et oh, ça c'est une crème de nuit réparatrice. J'ai vraiment besoin de réparer mon corps et mon âme cette nuit. Lancôme Absolue Crème Fondante. Activateur de jeunesse.
Comment je dois le prendre? Mais quel est cet objet? Fenty Beauty. Trouvez la base et le fond de teint pro parfait pour votre type de peau. Oh, c'est nice, mais je mets plus de fond de teint, moi. Dernier achat. Attention. Elles sont incroyables, je les aime tellement. En plus, avec mon outfit, ça match trop. Tu vois? Regarde ça. Waouh. T'as vu? Ouais, c'est chouette, j'aime bien. Tadam. Elles sont si belles. Oh, waouh. Et c'est sur cette note fabuleuse que je vais terminer cette vidéo, les gars. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je vais me mettre en pyjama, je vais me fourrer dans une couette. Et ça va être incroyable. On se retrouve sûrement pour le moment où je vais faire mes décorations Noël, c'est très possible. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Love you. Oh, je vais tellement me mettre dans mon pyjama lapin.